Bonjour, je suis Bernard Fritz et voici donc ma vidéo sur ce fameux mensonge de manipulation. On accuse la PNL d'être de la manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que la PNL serait de la manipulation? Ça pourrait vouloir dire qu'on arrive à faire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas faire. Alors que finalement, c'est tout le contraire. Si on regarde bien, vous avez quelqu'un qui arrive avec un problème, il veut s'en débarrasser, on intervient, on l'écoute, on lui fait faire quelques exercices, et subitement, ce problème a disparu. Alors, c'est de la manipulation, ça? Ou alors, si c'est de la manipulation, on aurait fait croire à la personne que son problème a disparu. Imaginons qu'on fasse croire à quelqu'un que son problème a disparu. Finalement, cette personne, qui par exemple était timide dans la vie, n'osait pas s'adresser aux uns et aux autres, n'osait pas aller vers les gens, eh bien, admettons que cette personne-là a oublié, suite à une manipulation, que cette personne a oublié qu'elle était timide et que finalement, elle ne l'est plus, elle va vers les autres, elle a une vie agréable avec des amis, des relations affectives, etc., etc., etc. Et alors, c'est ça qu'on appellerait manipulation? Eh bien, dites donc, moi, de la manipulation comme ça, j'en veux tous les jours. Alors, voilà pour la manipulation. Évidemment, il y a les quatre autres mensonges. Et ces quatre autres mensonges, on va voir aussi comment ils s'articulent avec la manipulation. Donc, à très bientôt. N'oubliez pas toujours le petit livret, les cinq atouts de la PNL, le clic en dessous. Et voilà. À bientôt.